couleur café, là. Couleur. Yeah. J'avais ça de pogner dans ta tête. So, là, c'est avant ça. Donc. Okay. Puis là, j'ai comme juste kind of mis ça dans YouTube. Là, c'est ça. Là, j'écoute juste du Gainsbourg depuis, là. C'est toi qui faisais jouer ça. Toute la semaine. J'ai comme peine là-dessus, là. Hé, hey, qu'est-ce qu'on mange pour dîner? Ben moi, j'aimerais ça vraiment avoir comme. Des asperges! Des mauvaises idées! C'est tonnerre! Come on, Fadas! Fadas! Great ball! Écoutez, ça nous a tous arrivé. Ça peut être compliqué parce que tout le monde a le ventre vide. Puis tout le monde a envie de dire son opinion parce que tout le monde a plein d'idées. Ça fait qu'ils veulent mettre leur grain de sel, puis ils veulent aussi mettre leur main à la pâte. Puis à la fin de la journée, on a beaucoup de pain sur la planche, ça fait qu'il faut prendre des décisions. Il peut y avoir beaucoup de problèmes, on pourrait arriver à plein de chicanes, puis c'est là que ça devient compliqué. On veut pas que tout le monde se bat, puis qu'ils arrivent par la fin, puis que quelqu'un arrive à l'hôpital avec 4 côtes cassées parce qu'il y a quelqu'un qui n'aimait pas les olives. Ça fait qu'on se dit, il y a sûrement une meilleure façon de faire. Puis Victor Morin, lui, il a pensé à ça. Il a repensé à tout ce processus-là, puis il s'est dit, c'est sûr qu'il y a une autre façon de le faire. Ça fait que le processus du Code Morin, c'est simple. Il y a la question des propositions qui englobe toutes vos idées. Puis par la suite, il y a les amendements qui modifient juste une petite partie de la proposition. Par la suite, il faut que chaque amendement puis chaque proposition soit appuyé par quelqu'un, que ce soit pas juste une personne qui propose puis qui amende. Puis par la suite, qui englobe tout ça, que tu sois pour, que ce soit contre la proposition ou l'amendement, il faut que tu votes. Puis il y a rien de pire à la FGFNB que des employés qui n'ont pas mangé. C'est toi qui faisais jouer ça. Toute la semaine. J'ai comme peine là-dessus, là. Hé, hey, qu'est-ce qu'on mange pour dîner? Je propose la pizza toute garnie. Oh oui, ça serait super bon. J'appuie. So, tout le monde veut de la pizza? Ok, mais moi je propose pas d'oignons, parce que des oignons, c'est vraiment dégueulasse. J'appuie. Oh ouais, j'ai faim! Tout ça en faveur de l'amendement. Votez. Oui! Oui. Oui. Guess what? Ah, oh, moi je rate des egg rolls! Ok, une chose à la fois. Pour l'instant, on va voter pour savoir qu'est-ce qui veut de la pizza. Tout le monde, votez vos mains en faveur. Vraiment là? Mais moi je rate des egg rolls, tout le monde, come on! Est-ce que quelqu'un appuie les egg rolls? Ah non! Oh, come on! Mm-hmm. Oh, come on! Oui, j'aimerais commander de la pizza. Comme là, t'es correct. C'est juste awkward, le fait. Là, t'es correct. Là, t'es pas correct. Il faut prendre une décision. Il faut que... le pain sur la planche. Tout ça en faveur de l'amendement, en faveur des oignons. Je l'ai raté. Oh, je rate the egg rolls! Non, j'ai pas aimé ça. Redo. Je propose pas d'oignons, parce que des oignons, c'est vraiment dégueulasse! T'as fait ta eyebrow! Fais pas un eyebrow! Oh, je rate the egg rolls! Sais-tu, je veux des egg rolls? J'ai faim pour des egg rolls? Je voudrais. Oh, j'ai rate faible des egg rolls. C'était-tu ton 1, 2, 3, go ou 1, 2, 3, go, j'ai mis la caméra dessus? Sorry. Je pourrais être dans les bloopers. Yeah. Okay. On va apprendre que j'ai cogné la perche sur le mur. Ok, quand t'es prêt. Hey, you always on the road, gotta chill down, baby, gotta have some fun. Ok, Sylvain, il va vouloir aller dans les boules. All right.